Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, je vous avais présenté ce qu'était le schéma structurel, donc la représentation graphique du circuit électronique. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est la représentation réelle de ce circuit, et on appelle cette partie-là le routage. Pour ce faire, nous utilisons un logiciel de conception. On démarre sur une page vierge, et pour commencer, on va déterminer les dimensions externes de la carte. Ensuite, on va venir placer les composants aux différents endroits désirés. Donc pour vous expliquer, voici la carte finie et on voit que ça correspond exactement à ce qu'il y a sur l'écran. Une fois ceci fait, on va relier les composants entre eux par des pistes. Donc c'est les traits rouges et bleus que vous voyez sur l'écran. Pour information, les pistes rouges sont celles qui passent sur le dessus de la carte et les pistes bleues sont celles qui passent sur le dessous de la carte. Pour vous expliquer un peu plus en détail, je vais zoomer sur le microprocesseur. Donc ici, on voit que le microprocesseur ressemble parfaitement à ce qu'il est réellement et il est relié aux autres composants par les pistes. Alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe la compatibilité électromagnétique, c'est-à-dire que nos cartes électroniques n'ont pas le droit de parasiter les autres cartes électroniques environnantes et les autres cartes environnantes ne doivent pas parasiter notre carte. Pour ce faire, il y a quelques lois qui existent sur la conception et sur le routage, c'est-à-dire par exemple, cette petite capa, ce condensateur, doit être placé au plus près du microprocesseur afin de filtrer les parasites. Pour les composants que nous n'avons jamais utilisés, nous les imprimons en taille réelle pour se rendre compte s'ils correspondent avec le composant physique. La suite à la prochaine vidéo.